الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين تابوا وأصلحوا دينهم فاعبدوا الله مخلصا له الدين وقال أيضا قال إن كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وقال صلى الله عليه وسلم في عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله والأئمة المسلمين وعامتهم رواه الإمام مسلم الحمد لله رب العالمين Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de toutes les louanges, de toutes les glorifications. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos actions et contre les insufflations du shaitan, du diable. Chers frères, chers sœurs, serviteurs, servantes d'Allah, celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare ne trouvera personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré, sauf lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Muhammad, alayhi salatu wa salam, est avant tout son serviteur et son messager qu'il a envoyé à l'humanité afin qu'il soit une miséricorde lorsqu'il dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne t'ai envoyé que comme étant une miséricorde pour le monde, pour l'humanité. Alayhi salatu wa sallam. Que la paix d'Allah soit sur lui, sur sa sainte famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui s'efforceront de suivre ses enseignements jusqu'au jour de la rétribution. Après cela, serviteur, servant d'Allah, notre sermon de ce jour portera sur un attribut qui a une place énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
qui a une place dans la religion, à l'islam. Cet attribut donne la valeur à nos œuvres et ce n'est rien d'autre que la sincérité en islam. Le fait que le musulman fasse preuve de sincérité, qu'est-ce que cela apporte aux musulmans? Et ça sera l'objet de notre sermon, inshallah ta'ala. Et nous allons voir d'abord le mérite de la sincérité. Quelle importance a le fait d'être sincère? Le fait que le musulman soit sincère, cela a quelle importance? Cela a quel mérite s'il y en a? Et on va terminer par voir maintenant la sincérité comme étant l'une des conditions d'acceptation de nos œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qui nous facilite la mise en pratique. Serviteurs, servants d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a en effet montré la place, l'importance de la sincérité à maintes reprises dans le Saint-Coran. Et lorsque Allah dit à propos de la sincérité, il dit « Illa allazina tabu » Il dit « Illa allazina tabu wa aslahu dinahum lillah » Ou aslahu dinahum lillah. Allah dit à la sourate An-Nisa, verset 146, il dit sauf ceux qui se sont repentis et se sont réformés et se sont attachés à Allah, ont voué le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il poursuit pour dire encore dans la sourate Zumar, verset 2, il dit Qul in kanat lakum darul akhirati indallahi خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Allah nous informe à la sourate Az-Zumar au verset 2, il dit nous avons fait descendre sur toi Mohammed des versets du livre le Coran en toute vérité. Adore donc Allah et sois sincère dans le culte que tu lui voues. Et Allah il dit encore, Allah dit plutôt dans la sourate Al-Baqarah, verset 94, si l'ultime demeure auprès d'Allah vous est réservée à l'exclusion des autres, souhaitez donc la mort si vous êtes vraiment de bonne foi. Ah, c'est la sourate Baqarah, verset 94. Et Allah dit dans le verset Zumar, comme je le disais, nous avons fait descendre sur toi, Mohammed, le Coran, les versets du Coran en toute vérité. Adore donc Allah en toute sincérité et en lui vouant le culte exclusif, en adorant lui seul Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous voyons, serviteurs, servants d'Allah, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la place de la sincérité à l'ikhlas, de l'importance du fait d'être sincère en islam. Et aussi, dans la sourate Qul huwallahu ahad à l'ikhlas, elle a été appelée Sourate Al-Ikhlas parce qu'elle comprend ce qu'on appelle At-Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le monothéisme pur et le fait que la croyance en ce qu'elle contient fait partie des causes qui mènent le musulman au salut. La Sourate Qul Huwallahu Ahad a été appelée la Sourate de la sincérité parce que dans cette Sourate-là, on ne parle que du monothéisme pur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne parle que du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette sourate-là. Et la croyance, le fait que les musulmans croient aux versets, aux enseignements de la sourate Al-Ikhlas et qu'ils les appliquent, cela sera cause pour être en salut dans l'au-delà. Et aussi, il est rapporté d'après Abu Ruqayya At-Tamim Ad-Dari radiallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ad-Dinu Nasiha, la religion c'est la sincérité. La religion c'est la sincérité. Nous demandâmes, les compagnons ont demandé au Rasoul, mais qu'est-ce que la sincérité? Il dit on doit être sincère envers qui? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il dit d'abord
on doit être sincère envers Allah. On doit être sincère envers le livre d'Allah. On doit être sincère envers le messager d'Allah. On doit être sincère envers les imams, a'immat al-muslimin, envers les imams. Et on doit être sincère envers les musulmans d'une manière générale. Ce hadith est authentique, rapporté par l'imam muslim. Nous comprenons de ce hadith ce qui suit. Nous comprenons des versets et de ce hadith ce qui suit. Que la religion à l'islam, bouniya al-ikhlas, est basée sur al-ikhlas. D'abord, pour entrer à l'islam, il faut étudier al-shahada. Wa shahada, c'est le fait d'attester sincèrement, provenant d'une sincérité provenant de ton cœur, qui se matérialise par la parole, tu attestes qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré sauf Allah. La ilaha illallah. Hada kalimatu l'ikhlas. Wa hada kalimatu al-tawhid. C'est ça qui fait la différence entre le musulman et le mécréant. Kalimatun farqatun bayna al-kufr wa l'islam. C'est ça qui est al-tawhid, la sincérité. Donc, l'islam est basé sur la sincérité et la véracité. Wa sudq est basé sur la sincérité et la véracité de ce qu'on dit. Le musulman véridique est celui qui s'acquitte totalement de ce que Allah lui a imposé. Et cette véracité se matérialise à travers nos actions. C'est le fait que le musulman, il s'acquitte de tout ce que Allah SWT lui a rendu obligatoire, lui a imposé. Sans manquement ni tromperie, il ne doit pas manquer à cela. Tout ce qu'Allah te dit de faire, tu dois faire. Quand on dit Lillahi, Al-Ikhlas, Adi Nasiha, Liman, Lillahi, ça veut dire que tu dois être sincère avec Allah. En faisant quoi? En te soumettant à lui. Wa hadha al-islam al-istislam lillah bi fi'li awamirihi wa talqi nawahi. Et ça, c'est le fait de se soumettre totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi ijtinab nawahi, tu dois faire tout ce qu'Allah t'a demandé, t'a rendu obligatoire. Aussi, tu dois laisser tout ce que Allah t'a interdit. C'est quand tu vas faire cela que tu seras un musulman véridique, que tu seras un musulman qui est sincère envers Allah, et tu auras été sincère envers Allah. Et aussi, le musulman doit avoir ce comportement aussi, être sincère envers le Coran. Le musulman doit savoir que le Coran qu'il a entre ses mains provient d'Allah SWT. Kalimatuhu est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait descendre sur Mohammed alayhi wa sallam, afin que ce soit une guidée, une lumière pour les hommes, Al-Quran. Le musulman, il montre sa sincérité en croyant en tout ce qui est dans ce Quran là, du plus petit au plus grand, des permissions, des ordonnances, comme aussi il croit aussi à tous les interdits qui sont dans le Coran. Il fait son effort d'accomplir toutes les obligations, toutes les injonctions du Coran, et il fait tout pour s'écarter des interdits qui sont dans le Coran. Et il marche selon le Coran. C'est lorsque le musulman, la musulmane, fera cela qu'elle sera véridique envers le Coran. Il ne suffit pas de mémoriser le Coran. Il ne suffit pas de lire le Coran, mais le Coran aussi, en plus de cela, a besoin d'être suivi, a besoin d'être appliqué. Et c'est lorsqu'on va faire ça qu'on sera des musulmans qui sont sincères envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas lillah wa li-kitabihi wa li-rasulihi. Aussi, les musulmans doivent être sincères envers le prophète Mohammed, alayhi salam,
La sincérité des musulmans avec le Prophète, c'est quoi? C'est le fait qu'ils reconnaissent Mohammed comme étant un messager d'Allah. Que c'est Allah qui l'a envoyé aux hommes. Le fait qu'ils reconnaissent que Mohammed, tout ce qu'il dit est une révélation. C'est le fait qu'ils mettent en application les enseignements du prophète Mohammed. Aussi, la sincérité envers le prophète Mohammed, c'est le fait que les musulmans considèrent ce monsieur-là, aiment ce monsieur que plus que tout au monde. Et comme il a dit à Omar, il dit, Omar, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui, je t'aime, Mohammed, Ya Rasulallah, je t'aime. Il dit, est-ce que tu m'aimes que ta famille? Il dit, je t'aime que ta famille, que ma famille, que mes enfants. Il dit, mais est-ce que tu m'aimes plus que toi-même? Il dit, Rasoul, je ne t'aime pas plus que moi-même. Il dit, Ya Omar, tu n'as pas encore eu la foi. Ya Omar, ta foi n'est pas encore complète si tu ne m'aimes pas plus que toi-même. Si tu ne m'aimes pas plus que toi-même, ta foi n'est pas complète. Et après, Omar est venu, il dit, Ya Rasulallah, il dit, je t'aime plus que ma famille, plus que mes enfants, plus que moi, me dit Al-An Ya Omar. Il sait maintenant que tu as eu la foi. Donc ça veut dire que le musulman qui n'aime pas Mohammed, il n'a pas encore la foi, il n'est pas encore musulman. Mais l'amour de Prophète Mohammed, comment on sait cela? C'est lorsqu'on dit Rasoul a dit, on a fait ça, tu fais sans discuter. Tu ne dis pas non, ça c'est pas, ça c'est hadith, j'ai pas besoin de ça. Moi j'ai besoin de Coran seulement. Mais tu prends le Coran et tu prends les enseignements de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est les deux qui font de toi un musulman. Sinon le Coran seulement, c'est pas de toi un musulman. Mais quand tu prends le Coran, tu prends les hadiths authentiques et tu les appliques, c'est toi le musulman. Parce que Allah dit quoi? L'accord de Khan la confie Rasulillahi Huswatun Hasanatun liman kan yardullaha wal yawm al-akhir wa zakar Allah kathira. Il dit, vous avez en la personne de Mohammed sallam un excellent modèle pour quiconque veut réussir, veut avoir dunya et l'au-delà. Il dit, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mohammed, quand vous voyez là, il parle pas parce qu'il a envie de parler, mais il parle parce que moi Allah il a dit n'a pas parlé. Donc c'est ça qui fait de nous des musulmans. Donc la sincérité à l'ikhlas wa li rasulihi et être sincère envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa li a'immatil muslimin. Aussi les musulmans, c'est celui qui est sincère envers les imams. Envers les imams. Ceux que vous avez pris pour mettre devant, soyez sincère envers eux. Ne fais pas deux faces envers ces personnes. Lorsque ces personnes disent ce que Allah SWT et son messager veut de vous, suivez cela. Mais lorsque ces personnes disent le contraire de ce que Allah et son messager veulent de vous, ne les suivez pas en cela. Le fait de ne pas les suivre, ça montre que vous les aimez. Parce que quand vous les suivez dans les erreurs qui divulguent, alors vous augmentez encore les châtiments. Donc il faut être sincère envers les imams. Si c'est trompe, il faut pouvoir conseiller vos imams de la plus belle des manières. On ne conseille pas l'imam dans les grains. On ne conseille pas l'imam à travers les papatoya ou les calomnies, les affaires. Non. On conseille l'imam par des messages, si possible. On conseille l'imam en le prenant. Mon frère, tu as dit cela. Mais moi, j'ai vu comme ça. Si l'argument de ce qu'il a dit, il va avancer. S'il n'a pas d'argument, il va dire, ah, merci beaucoup, tu m'as fait un rappel. Parce que ceux qui sont devant vous, ils n'ont pas la science infuse, ils ne sont pas des anges, ils ne sont pas des prophètes, ils vont faire des erreurs, ils vont se tromper de la parole. Mais vous qui êtes derrière, c'est vous qui devez les conseiller. C'est vous qui devez venir vers eux, les conseiller. De la manière où vous venez prendre conseil auprès d'eux, si ils se trompent aussi là, venez aussi les conseiller. Mais Allah les éprouver en les mettant devant vous tout simplement. Donc c'est ça la sincérité envers A'immatul Muslimin. Et quand on dit A'immatul Muslimin aussi, il y a aussi les dirigeants. Ceux qui ont le pouvoir parmi les musulmans, les gouverneurs musulmans, les khalifas musulmans, il faut être sincère envers eux. Il a fait quelque chose, il a voté une loi, il a pris des décisions qui ne sont pas conformes à celles d'Allah.
ni à celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, va le voir. Fais écrire un article, il faut l'envoyer ça dans l'enveloppe bien fermée. Tu vas lui donner, Nakali. S'il lit ce message, quitte à lui d'accepter ou de refuser, toi, tu t'es déchargé. Toi, tu as fait ton travail, tu as écrit ce qui ne va pas, que tu as remarqué, tu lui as donné. Il n'a qu'à appliquer. Il ne faut pas qu'il va appliquer. Ça, ça n'engage que lui, toi, tu as fait ton travail. Mais il ne faut pas t'asseoir dans les grains pour parler de cela. Il ne faut pas t'asseoir dans les réseaux pour parler de cela. Il faut plutôt faire comme Rasoul lui a demandé. Il dit, prenez vos gouverneurs par les mains, marchez avec eux et conseillez-les en privé. Et c'est ça même qui est facile d'aller t'accepter ou bien t'arrêter devant lui comme ça et puis crier. Hein? Conseille quelqu'un à deux ou bien le conseiller devant les gens. Qu'est-ce qui est facile d'accepter? C'est à deux qui est facile ou bien c'est devant la foule? C'est à deux. Même s'il allait accepter devant la foule, il ne va pas accepter. Parce qu'il a son ego qui est là. Il a son ego qui est là. Il ne va pas accepter. Donc la sincérité envers les imams musulmans. Aussi, pour terminer, le musulman doit être sincère envers tous les musulmans en particulier. Ton frère musulman, tu dois être sincère envers lui. De la même que tu te comportes avec l'imam dans le conseil ou là-bas, c'est comme ça aussi tu dois conseiller ton frère. Il ne faut pas l'humilier en public. Il ne faut pas l'humilier sur les réseaux. Il ne faut pas faire passer dans le groupe des choses que tu as vues sur lui. Mais prends-le, envoie le message en privé, envoie le vocal en privé, conseille-le. C'est mieux pour toi que tu t'assoies pour rencontrer dans son dos. Parce qu'en faisant cela, d'abord tu n'as pas été sincère, ça c'est un péché. De deux, tu as le péché de quoi? Un namime, qu'on appelle quoi? La calomnie, ou encore la médisance plutôt. Tu as le péché de la médisance. Et le péché de la médisance, c'est quoi? Ayyuhibbu ahadukum an ya'kula la'ma akhi mayyitan fa karihtumu. Le péché de la médisance qu'on appelle anti mekpapatoya, c'est quoi? C'est le fait de. Rasoul dit quoi? Allah dit quoi? C'est comme si tu mangeais sa chair. C'est comme tu t'as assis pour manger sa chair dans le groupe, dans le grain. Qui veut manger le cadavre de son frère? Personne. Donc il faut le prendre en même temps pour le conseiller directement. Et ça qu'est l'islam. La sincérité envers les musulmans. Wa qul ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin dhan fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pour terminer, serviteur, servant d'Allah, pour voir tes œuvres agréées par Allah, pour voir tes œuvres acceptées d'Allah, alors il faut faire preuve de sincérité. Il faut faire preuve de sincérité. Il faut vouer ses œuvres à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associer, et que cela soit conforme aux enseignements du prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Dans la manière d'être accompli, dans la période et dans le nombre. On demande à Allah qu'il nous place parmi les personnes sincères. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma izz al islam wal muslimin wa azill al shirka wal mushrikin wa dammir a'da din ya rabbal alamin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.